Salutations mes petits amis YouTube, aujourd'hui on se retrouve dans une présentation et avis. Aujourd'hui nous allons parler de Cast Quest 2, donc c'est la suite de Cast Quest 1. Et enfin on va réconcilier les chats et les chiens, pour ceux qui connaissent la licence. On va faire une nouvelle partie, j'ai oublié... enfin bref, c'est pas grave. J'ai effacé ma sauvegarde, mais malheureusement j'ai oublié que les paramètres s'effaçaient en même temps. Donc il est bien longtemps de roi se combattir, mais l'un d'eux se laissa corrompre. Et bien sûr, il y avait un roi chat et un roi chien. Et une prophétie a prédit leur retour. Car seule leur lumière peut briller dans les ténèbres. Comme d'hab, quoi. Donc, ça va être un peu du RPG. Enfin, du pseudo-RPG, quoi. Et on se réveille en étant le petit chat. Il y a le petit chien qui est avec nous. C'est mignon! Hop. Mes rois, vous êtes vraiment de retour. La prophétie s'est réalisée. C'est moi, Kiri, votre conseiller royal. Le monde est en péril. Vous devez me suivre. Oui, bon, on n'a pas trop le choix, quoi. Et là, on voit que d'ailleurs, on aurait pu jouer à deux, hein. Mais bon. Malheureusement, je n'ai qu'une manette. Et je ne peux pas vraiment faire grand-chose. Donc, on va se lancer directement dans le premier niveau. Et la grotte du courage. Donc, on voit qu'on récupère des petites patounes qui donnent de l'XP. Là, je peux pas ouvrir le coffre. Lui, je l'ai fait aller dans le piège pour qu'il crève, puisque pour le moment, je n'ai pas d'armes. Hop. Et justement, là, je récupère des vêtements. Et je vais pouvoir enfin attaquer. Ok. Hop. Pour vous enfuir en roulant devant les attaques ennemies. Oui, mais c'est pas le but. Donc c'est de l'action adventure, on tape, on tabasse, on peut esquiver avec les roulades, on se déplace comme on veut. On peut switcher deux personnages, ce qui bien sûr va être très utile à certains moments. Pourquoi j'ai pas pu ouvrir l'autre cove d'ailleurs? Parce qu'il y avait un ennemi à tout. Non, parce que bon, voilà, le chat il veut pas être à poil non plus. Faut pas déconner, pourquoi il me les a pas équipés automatiquement? Je ne comprends pas. Hein. Voilà, frippe de chat, très bien. Ah, je peux mettre les frippes de chien au chat. C'est violent. Hop. Et voilà. Donc ça, au moins, ils sont tous les deux un petit peu fringués. On va arrêter de se balader en couche-culotte. Ça sera toujours ça. Hop, on va virer les vibrations parce que ça me plaît pas. Et on va continuer. Voilà. Là, on commence enfin l'aventure. On va aller lire ça parce que pourquoi pas. Donc, bon, bah, c'est un RPG. Donc après, il faut aimer ce genre de jeu déjà. Hop, la pâte est gelée, le souffle de feu. Oh. Appuyez sur LB pour utiliser la magie. Tintintin. Et forcément, LB, c'est la touche qui déconne sur ma manette, donc je ne pourrais pas le faire. Il faudrait que je joue. De toute façon, on n'a pas besoin de la magie. La magie, c'est pour les faibles. Hein. Reprenant Conan. Hop là. Et on fait continuer à faire de l'XP. Donc, disais-je, déjà. Les graphismes et comment ça s'appelle, la musique. Bah, les graphismes, c'est assez kawaii, c'est un truc qui va... Alors le jeu existe aussi sur Switch, donc forcément les graphismes sont assez simplistes. La vue comme elle est, honnêtement, bon bah faut aimer ou faut pas aimer, c'est classique on va dire, c'est la 3D plus ou moins isométrique, voilà, toi t'es bien con. Hop, tu t'es tué, par contre je peux pas aller là-bas, et ça c'est problématique. Tant pis, continuons. Alors moi j'aime bien jouer avec le décor pour tuer les adversaires. Ouais, en plus lui il résiste bien. Voilà, je l'ai poussé dans les pics et il est mort. Donc il y a quand même des petites astuces comme ça à faire. Mais bon, pour le moment on n'en était pas là. Ouais, super. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on peut switcher de personnage. Si j'ai envie de me battre à la hache d'un coup, ça peut le faire. Hop. Hop. Si on préfère jouer avec le chien ou avec le chat. Mais bon, bizarrement je joue avec le chat, hein. On se demande pourquoi. Hop là, oh de thunes. Donc oui, la musique moi je la trouve assez sympa, les graphismes je trouve assez sympa, la caméra aussi. Et le gameplay, bah ça, c'est tout ce qu'il y a de plus classique. Le truc c'est, hop là, j'aime bien comment ils dorment aussi, de toute façon. Hop, ouais les rois ont usurpé votre trône, donc il fallait leur péter la gueule. C'est assez classique comme histoire, mais bon. En même temps, le jeu est vraiment sympa. On s'y fait assez vite en fait. Comment dirais-je, à cette maniabilité. On a pas mal d'options, on a pas mal de choses à récupérer.
on peut voir qu'il y a différents niveaux. Bon, là, ici, j'ai pas trop le choix que d'aller dans celui-là, parce que c'est le premier. Mais après, plus tard, on sera pas, enfin, forcément obligé de les faire dans l'ordre. Allez, on va aller péter la gueule à tout le monde. Bon, comme vous voyez, il y a quand même beaucoup de chemin à faire. Et beaucoup de choses à faire. Ici, on est sur la carte globale du monde. Voilà, une fois qu'il a arrêté de crier. Et on va aller dans certaines missions. Et on va pouvoir parler au PNJ. Voilà, là, il nous parle un petit peu. Là, on peut dormir si on en a besoin. Et on va bientôt arriver. Hop là. Quand on est dans la carte du monde, ce qui se passe, c'est que on peut quand même combattre comme ça. Après, c'est relativement pareil qu'une carte dans le donjon, mais bon, on voit qu'il y a différents territoires. Je prends tellement cher. Hop là, on va éviter ça. Ça sera toujours mieux. Donc, oui, non, ça répond assez bien. Bah c'est assez plaisant de jouer à un jeu d'aventure un peu bourrin comme ça. Après, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Hein. Moi, personnellement, c'est le genre de choses qui m'amusent. Donc là, hop là, je peux aller dans la grotte à la caverne. C'est pas du tout la quête principale. D'ailleurs, c'est niveau 6, je vais sûrement me faire défoncer. Mais c'est pas grave. C'est pour vous montrer qu'il y a des niveaux. Ah. Et après, si on est vraiment motivé et que on joue pas mal, on peut quand même le faire. Bon, bien sûr, si on a un allié qui fait pas trop le con, quoi. Parce que... Hop. Hop là, c'est niveau 6, mais vous voyez, ça se laisse buter quand même. Voilà. Et surtout, l'avantage, c'est qu'on va peut-être récupérer du loot. Voilà, qui va être beaucoup mieux. Alors, hop. Où sont mes épées? Hop. Alors, les menus, par contre, sont assez chiants. Ça, je dois bien l'avouer. Mais bon... Faut pas tout avoir, ça c'est le maniement console malheureusement. Hop, c'est, on est bien obligé. Voilà, déjà je les tape beaucoup plus fort. Merde, je me suis loupé, je sens que je vais y passer si je fais pas gaffe. On va essayer de pas y passer. Ça serait mieux. Ouais, je suis pas assez réactif. Bon, en même temps je suis dans le niveau 6, hein. Donc faut pas s'attendre à ce que ce soit simple. On voit déjà que le personnage contrôlé par l'ordi... Ah non, c'est le mien qui est mort, j'ai rien dit. Ah bah voilà, partie terminée, game over, parce que j'ai perdu mes deux protagonistes. Mais c'est pas grave, ils vont se relever, on va pouvoir continuer. Donc bon, plutôt que d'aller faire des trucs trop compliqués, on va aller plutôt vers là où ça nous a indiqué. Hein. Hop là, on peut quand même les buter eux si on veut. Hop. Bon, après les IA, tout ça, c'est des problèmes récurrents sur ce genre de jeu. Et encore que c'est pas les pires IA que j'ai vu. Voilà. Hop. Et on va aller faire ça. Je m'absente quelques temps, je reviens bientôt. Voilà. Oh mon dieu, il a des problèmes, il faut aller l'aider. Et ça nous donne la suite des quêtes. Bon, alors, comme je vous l'ai montré, on peut agir plus ou moins librement. Le problème, c'est que là, bah, quand j'y suis allé, je me suis fait complètement massacrer. Donc j'ai pris la quête. Enfin, j'espère que j'ai pris la quête. Il y a des choses qui sont cachées dans les décors, etc. C'est quel niveau, ça? Niveau 4. Ah, je suis niveau 3. Là, c'est déjà peut-être plus faisable. Histoire de vous montrer ça. Hein. Hop. Ouais, là, il y a des pièges, quand même. Ok, on va essayer de pas se faire avoir. Ah ouais, lui ça. Alors lui, on l'a vu tout à l'heure, pour le buter, il faut l'amener dans les pièges. Hop. Allez, suis-nous. Voilà. On a réussi à le buter. Donc oui, après ça va être de l'aventure, ça va être. Oh, un truc de chat. Hop. X. Hop. Et je peux lui changer ses fringues. Maintenant il habille en bleu. Et. Enfin bon, bref, ça c'est. C'est le style où on l'a pas quoi, le chien il est moche, le chat il est joli quoi. Comment ça, c'est pur fruit du hasard? Peut-être, peut-être, peut-être pas. Hop là, hop, on ramasse les petites pastilles bleues pour avoir de l'XP et on continue. Donc voilà, donc c'est, bah oui, après que dire sur le jeu, moi c'est vrai que, bah autant comme j'ai dit tout à l'heure, les niveaux graphismes et bande son c'est assez plaisant. L'histoire, bah, c'est du classique, hein, ils se sont pas embêtés. Mais en même temps, voilà, est-ce que on a vraiment besoin d'une grosse histoire feuille dans ce genre de jeu?
Elle se laisse prendre. Une armure de chevalier, donc là je peux la mettre à qui je veux. Bon, je viens de changer l'armure du chat, donc on va la donner au chien quand même. Histoire qu'il soit un petit peu protégé lui aussi. Hop, et on a fini le cachot, et donc du coup on peut retourner dehors, aller dormir, etc, etc. Donc ça va être après des choses qui vont s'enchaîner comme ça, et on doit faire la mission en même temps, qui était de retrouver le... comment ça s'appelle ? Le forgeron. Bon après là je suis allé faire la mission comme ça. Voilà, hop. Kit de forgeron, bah oui. Hop, jeter un oeil à cette note sur la porte de Minou. Je m'absente, voilà. Hop, j'ai dû l'abandonner tout à l'heure. Voilà. Et il me donne le trajet. Bon chien, chien, t'as trouvé l'odeur. Bah oui, bah en même temps tu sers qu'à ça le chien, chien. Hop. Non. Abandonner la quête, non. Voilà, c'est l'erreur que j'ai faite tout à l'heure. Alors il faut que j'aille régène, du coup il faut que je me tape tout le chemin en sens inverse. Hop. Ouais, suivez la trace blanche, ouais, mais j'aimerais bien régène avant. Voilà. Voilà, on fait un petit coup de régène, parce que pourquoi pas, hein, après tout. Et on va pouvoir continuer à aller tabasser du mob. Hop. Bon, après on aura quelques magies qui fait que ça sera peut-être un peu plus intéressant. Mais d'ailleurs, on va jouer un peu avec le chien aussi. Voix mystérieuse. Aidez-moi! C'est le donjon que je viens de faire, mais j'avais pas la quête. Donc, du coup, je suis obligé de le refaire. Voilà, elle est là. Oh, elle est mignonne, regardez. La petite chatte. Attendez une seconde, vous êtes ceux dont Kiri m'avait parlé. Pas vrai? Oh, excusez ma grossièreté, vos majestés. Bah oui, ouais, majesté, forcément. Parce que bon, il y a la majesté, il y a le miagesté, puis le chien gesté aussi. Je suis trop paresseux, vous cherchez des minerais là, aidez-moi s'il vous plaît. Putain, mais t'es flemmarde. T'es bien une femme, toi. Oh là. Bon, enfin bref. Allez, on va défoncer ça. Et on va lui prendre ces minerais. Ouais, vous avez eu des minerais. Allez, va en collecter une autre, parce que je suis flemmarde. Et je suis une faible femme. Hein, quoi, les clichés, je vois pas ce que vous voulez dire. Ah, bon, après, on vient de la faire, cette quête, donc... enfin, on vient de faire le donjon. Donc, le refaire, ben, on sait déjà plus ou moins ce qui va se passer. Comment faire. Hop là. Hop là, on va quand même aller chercher l'XP, c'est important. Mais du coup, ça, vous voyez qu'on peut vraiment faire les choses dans différents sens. Hop là, on va éviter les attaques, ça sera mieux. Voilà, lui, il fait ses sorts de feu, parfait. Hop. Et même avec ma manette cassée, vous voyez que ça passe très très bien. Hop là. Bon, on va reprendre le chat quand même, faut pas déconner. Et on va récupérer le deuxième minerai, comme ça elle va être contente. Voilà, voilà, voilà. Et ben en gros, on va continuer comme ça, à faire des histoires, à progresser, à changer de matos, et à en découvrir le plus possible sur l'histoire. Donc, mon dieu, ça y est, mon héros est amoureux de la nénette. Comment tu peux aimer une flemmarde pareille? Enfin bref. Hop, allons valider la quête. Attends, la taxe est de combien déjà? Je suis désolé madame, tous les chats qui ne suivent pas les nouvelles lois feront face à des poursuites. Oh. J'aime bien parce que les fautes d'orthographe de chats sont... comment ça s'appelle? Sont mises en exergue pour bien montrer que c'est une faute esprit quoi. Ah, Minou va être mon forgeron personnel. Ouais. Allez, pour améliorer votre armure, parlez à Minou. Bah oui, bah, améliore mon armure, ça va me coûter les yeux de la tête, je suppose. Améliore mon armure. 40 gold, ça va encore. Ouais, mon matos est passé niveau 2. Je peux même le passer niveau 3, non? On va quand même essayer d'améliorer le chat aussi. Le chien, pardon. On va pas améliorer que le chat. Par contre, je peux améliorer que les armures, c'est un peu chiant ça. Bon, hop, on va privilégier le chat parce que pourquoi pas. Et l'autre, j'ai plus assez de thunes. Par contre, je peux pas vendre le reste, c'est un peu dommage. Après, honnêtement, alors chaque armure va donner des choses différentes. Par exemple, vous voyez que l'armure du chat va lui donner plus 1 en attaque, enfin plus 4 parce que je l'ai monté. Et l'armure du chien, c'est plus 3 en défense. Les armures qu'on avait de base, c'était juste un petit peu de vie supplémentaire. Donc chaque objet va être intéressant. Vous pouvez monter et optimiser votre personnage comme vous voulez. Et mine de rien, sur un jeu où à la base, on a l'impression que c'est tout simple, bah, c'est toujours intéressant de voir... qu'on a des choses en plus.
Allez hop, par contre, bon, le jeu c'est un peu la ligne droite, hein. Enfin, la ligne droite. On peut ne pas le faire en ligne droite, mais si vous voulez vraiment juste faire l'histoire, vous pouvez très bien. Ouais, des sous. Là par exemple, je pourrais farmer pour améliorer mes autres armures. Le problème, c'est que par exemple, pour le moment, je peux pas vraiment améliorer mes armes. Et ça, c'est plutôt dommage. Bon, en même temps, je les tabasse. Pourquoi pas, pourquoi pas. Et je suis passé niveau 5. Bref. Donc, présentation du jeu, je vais pas y passer non plus 50 ans dessus. Moi, c'est un petit jeu qui me paraît pas mal. En même temps, j'aime bien les RPG, j'aime bien ce genre de jeu. Donc forcément, il y avait de grandes chances que j'apprécie ce jeu. En plus, il y a des chats et des chiens. Donc des gentilles petites bestioles. Ouais, on a envahi, tu vas voir. Non, c'est bon. Avec des petites blagues qui font relativement mouche à chaque fois. Mais bon, après... voilà, la chatière. Je sais pas si les gens savent ce que c'est une chatière, mais bon. Et je peux récupérer des choses pour avoir amélioré mes sorts. Bon, là, malheureusement, vu que j'ai tout dépensé avant, ça va être problématique. Ça coûte 147, j'ai 150. Bon, on va améliorer le chien, pour le coup. Parce que la glace me paraît pas mal. Vous n'avez pas assez d'or. Ah non, c'est 150 et j'ai 147, pardon. J'ai confondu les deux trucs. Bon bah tant pis. Ça m'apprendra. Donc voilà, et après l'histoire va continuer. Vous allez pouvoir en faire autant que vous voulez. Ouais, parce qu'après vous pouvez le transformer en mage aussi, vous voyez. Hop. Mais bon, chaque arme a ses avantages et ses inconvénients, etc, etc. Bref, je vais pas vous expliquer ou faire un let's play complet de ce jeu, même si j'aurais pu pour le coup, parce que je le trouve assez sympa et assez facile à jouer. J'espère en tout cas que cette vidéo de présentation vous aura plu, parce que mine de rien, bah, je vous ai quand même montré le jeu. On va aller faire ce petit boss là. Hop. Voilà, le problème c'est que, voilà, il craint surtout la magie, vu que mon bouton est cassé, mais bon bref. J'aurais dû faire la vidéo au clavier souris, parce qu'on peut jouer au clavier souris. Mais c'est vrai que je préfère jouer à la manette à ce genre de jeu. Mais changer d'idée avant de tourner n'était pas forcément une bonne idée. Bref. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle vous aura fait au moins découvrir un jeu si vous connaissiez pas Cat Quest. Parce que, bah, mine de rien, c'est le deuxième opus, hein, donc... voilà. Peut-être que vous connaissiez déjà. Moi, je dois bien avouer que j'avais pas connaissance de ce jeu, de cette licence. Et que je l'ai découverte avec ce jeu et je le trouve plutôt pas mal. Maintenant, voilà, à voir si vous ça vous plaît ou pas. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura fait découvrir un jeu et que vous aurez eu des informations. Et moi, dans tous les cas, bah, je vais continuer à jouer un petit peu au jeu. Et je vais vous laisser là. Allez, bye bye mes petits amis YouTube.